Donc, je m'appelle Tsir Zafnarif, je suis chercheur au FOVIFA des RCTP. FOVIFA, c'est un centre de recherche sur l'agriculture. Au FOVIFA, nous avons six départements, dont le DRCTP ou département de recherche aux techniques vétérinaires et piscicoles. Donc, moi, je suis chercheur au FOVIFA des RCTP. Et aujourd'hui, on va vous parler de cette étude que nous avons effectuée dans le cadre du projet CLIP, que nous avons appelé établissement d'un référentiel technique sur l'élevage des bovins à Madagascar par la méthode laser. Donc aujourd'hui, on est assis à présenter ces résultats, mais dans tout le projet, on était toute une équipe pour effectuer le travail. Donc pour plus de clarté à notre présentation, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va commencer par une généralité, c'est-à-dire une généralité sur le bovin à Madagascar. La place de l'élevage de bovins à Madagascar, mais également on va parler du protocole laser que nous avons à élaborer. Ensuite, on va parler des performances ou techniques des bovins à Madagascar dans la partie croissance, où on va parler également du poids à HTIP. Ensuite, on va parler de la reproduction des bovins à Madagascar, les performances de reproduction, les facteurs influençant la reproduction, puis les exportations, c'est-à-dire les ventes des bovins, par rapport également à l'utilisation du bovin, parce que le bovin étant qu'épargne décapitalisable à tout moment. Ensuite, on va parler de la santé du bovin, mais également les facteurs sanitaires influençant les performances techniques et les principales maladies à Madagascar. Puis les sorties, c'est-à-dire les sorties des animaux du suivi laser, les principales causes de la diminution du cheptel à Madagascar. Et enfin, on va faire une projection dans le futur, c'est-à-dire la projection future des perspectives, puis la conclusion. Sans plus tarder, je vais commencer la présentation par la généralité. L'élevage de bovins est une activité qui tient une place importante dans la société malgache, que ce soit sur le plan culturel, social, économique et même également dans l'agriculture. Dans les années 60, nous avons eu autant de bovins que de personnes ici à Madagascar. Cependant, on a enregistré une stagnation de l'effectif du cheptel face à une forte exploitation, c'est-à-dire actuellement le nombre du cheptel est à 10 millions de têtes, alors que le nombre de personnes est maintenant à 26 millions de têtes. Ceci est principalement causé par la consommation de bovins qui se trouve ici à Madagascar, parce qu'actuellement, on mange vers les 1 500 bovins par jour à Madagascar. Et ça, plus les éventuelles exportations vers les pays étrangers. Cependant, aucune donnée sur les productivités n'est officiellement disponible jusqu'à ce jour. Ainsi, pour régler cela, nous, FOVIFA DRCFP, en partenariat avec le CIRAD dans le cadre du projet Eclipse, nous avons fait un suivi des performances aux techniques des bovins. Le suivi a été effectué de 2017 en 2021, cela pour établir un référentiel technique sur l'élevage de bovins à Madagascar. Ainsi, cela fournira premièrement aux décideurs des indicateurs utiles à la définition de la politique de développement de la filière bovine ici à Madagascar, mais également aux techniciens pour donner des conseils personnalisés aux éleveurs afin d'améliorer le système de production. Pour cela, un suivi individuel de bovins par la méthode laser a été effectué. Mais c'est quoi la méthode laser? Pour commencer, je vais vous présenter la méthode laser. La méthode laser, c'est une technique qui permet de faire des enquêtes sur le terrain, des données sur la production de l'élevage des bovins ici à Madagascar, et puis de le saisir, de l'introduire dans le logiciel laser. Le logiciel laser, ainsi, pour former une base de données sur l'élevage de bovins ici à Madagascar. Donc, et tant que le logiciel laser est formé en table access, donc, il permet de faire des requêtes. Il permet de faire des requêtes sur les différents paramètres de l'élevage, comme par exemple faire des requêtes sur l'alimentation animale, ou également faire des requêtes sur la reproduction, ou faire des requêtes entre le lien entre la reproduction, l'alimentation animale, la santé et tous les paramètres dans l'élevage. Mais à part cela, on peut également effectuer des traitements statistiques à partir de ce logiciel, car il est directement lié au logiciel de traitement statistique R par l'intermédiaire
de librairie, c'est-à-dire du package laser des montres. Maintenant, nous allons passer aux matériels et méthodes. Afin d'assurer le suivi des bovins, chaque bovin a été identifié individuellement à l'aide d'une boucle auriculaire. La boucle, c'est pour identifier l'animal, une identification visuelle. Comme ça, l'éleveur peut identifier à lui seul son bovin. Cependant, étant donné que la boucle est détachable, nous avons également couplé cette identification par une puce électronique. Donc, la puce électronique, elle a été introduite dans le rumen de la vache. Et cette puce électronique est lisible à distance par l'intermédiaire d'un lecteur RFID pour la lecture de numéros d'identification de l'animal. Ensuite, on passe à la collecte des données. Pour la collecte de données, nous avons effectué des pesages mensuels des bovins durant 5 ans, c'est-à-dire durant l'étude. Et ces pesages ont été suivis des enquêtes des événements qui se sont déroulés dans l'élevage durant les derniers mois. Donc, tous les mois, durant 5 ans, on avait fait des enquêtes sur les bovins. Dans cela, on a prélevé le poids, la naissance, les mortalités, les ventes, les traitements et les sorties des bovins du logiciel laser. Parallèlement à cela, on avait également effectué des prélèvements de la matière fécale des animaux en croissance, c'est-à-dire les animaux de 2 à 4 ans. Ces prélèvements de matière fécale ont été prélevés pour faire des analyses coproscopiques pour déterminer les parasites qui infestent les animaux. Ceci afin de voir les influences des parasites sur les performances zootechniques des animaux. Et pour cela, nous avons utilisé le protocole de McMaster pour déterminer le taux d'infestation parasitaire de chaque animal. Ensuite, toutes ces données, c'est-à-dire les données parasitaires, mais également les données zootechniques, ont été introduites, transcrites dans le logiciel laser. Donc, en résumé, nous avons fait des mesures mensuelles des performances zootechniques sur les animaux en environ 700 bovins qui sont répartis sur 30 troupeaux. Dans 3 races, principalement le zébu malagasy, mais à part le zébu malagasy, il y avait également d'autres races qui sont la race rentier et la race frisonne. Cette étude a été effectuée dans la station de recherche du FOFIFA qui se trouve dans le moyen-ouest de Madagascar. Donc, pour effectuer les études, les éleveurs emmènent leurs animaux dans la station. Donc, dans la barre de pesée, la barre de contention de la station, c'est là que nous faisons les pesages et les enquêtes. Mais pour les animaux qui vivent loin de la station, c'est à nous d'amener les matériels d'enquête, mais également la barre de pesée pour faire les enquêtes sur ces animaux qui habitent loin de la station. Donc, dans ces fermes, nous avons installé des barres, des cages de contention de ces animaux. Étant donné que l'élevage ici à Madagascar est fortement corrélé au climat, donc voici la pluviométrie et la température durant l'étude, c'est-à-dire la moyenne de la pluviométrie et la température durant les 5 années où nous avons effectué le suivi laser. Donc, la température moyenne est de 24 degrés Celsius et le moyen du cumul de la précipitation est de 1354 mm par année. Et ici, à Madagascar, nous avons 2 saisons bien distinctes. Premièrement, la saison sèche qui est de avril à octobre. Et à part cela, nous avons également la saison humide qui commence de octobre en avril. Ainsi s'achève la partie méthodologie. Mais maintenant, on va tout de suite passer aux résultats de nos études. Et je vais donner la parole à mon ami Fanny qui va vous présenter la croissance des animaux. Nous sommes donc maintenant sur la partie croissance de la présentation. En élevage, quand on suit la croissance des animaux, on s'intéresse à l'évolution du poids, c'est-à-dire la croissance pondérale. Des puces périodiques permettent d'établir des courbes de croissance. Ces courbes peuvent ensuite être comparées aux courbes de croissance caractéristiques de la production concernée ou à celles des autres animaux du troupeau. Les plans d'alimentation correspondants sont établis en fonction des objectifs choisis par l'éleveur. Il serait donc judicieux d'optimiser au mieux la croissance des animaux pour une meilleure qualité d'élevage si on veut obtenir une rentabilité économique satisfaisante de l'élevage. Il faut noter que les courbes de croissance sont caractéristiques du mode d'élevage des animaux. À Madagascar, le mode d'élevage le plus pratiqué est le mode d'élevage extensif où les animaux qui vivent sur des vastes pâturages à base de graminées vivaces
avec pas ou peu de complémentation alimentaire en période de soudure, c'est-à-dire en période sèche. Ce mode d'élevage extensif est donc caractérisé surtout par une croissance lente et faible des animaux où il y a des périodes de ralentissement correspondant au hivernage, c'est-à-dire au mois de mars à septembre. Les animaux sont donc abattus ou fondus vers l'âge de 3 ans et plus. La race de prédilection des éleveurs marcas est le cebu, qui est un peu petit bouffin comparé à d'autres cebus d'Afrique ayant une envergure moyenne de 1,25 m à 1,35 m au carreau. Mais des améliorations génétiques avec des croisements avec d'autres races étrangères comme les races européennes, africaines ou indiennes ont déjà existé depuis longtemps à Madagascar, ce qui ont conduit à une augmentation de la productivité, surtout la croissance pondérale. On peut notamment citer la création des races Rentelu, Rana et Manjambouin. Par les résultats du suivi la Serra Kianzasu, la croissance générale des bouffins se présente comme suit. Le pic de croissance est atteint vers l'âge de 11 ans, soit environ 350 kg pour certains animaux, mais un arrêt général de la croissance est observé pour la plupart des animaux vers l'âge de 6 ans pour un poids moyen de 270 kg. Il serait donc intéressant de fondre ou abattre l'animal vers cet âge-là pour pouvoir rentabiliser l'élevage. Selon l'âge et le sexe, les mâles semblent présenter une meilleure croissance que les femelles jusqu'à l'âge de 1 an pour toutes les races confondues. Mais selon l'âge et la race, c'est Rentelu qui possède la meilleure croissance par rapport aux races frissons et cebus, et ce jusqu'à l'âge de 330 jours. En général, donc, selon l'âge ici de 0 à 1 an, le sexe et la race des animaux, c'est les femelles Rentelu qui possèdent la meilleure performance de croissance, suivie par les femelles cebus et les mâles frissons. Bref, pour conclure, nous pouvons dire que la connaissance du poids d'un animal est un bon indicateur pour le suivi sanitaire et sous technique des élevages. Pour cela, le logiciel laser est un outil efficace de suivi individualisé des animaux qui permet la gestion efficace des troupeaux et des ressources. Ainsi, pour pouvoir améliorer la croissance pondérale des animaux et pallier le déficit alimentaire en saison sèche, nous recommandons de faire des rotations de pâturage et la conservation et introduction de nouvelles espèces fourragères, l'identification des animaux les plus performants comme futurs reproducteurs est également un paramètre à prendre en compte pour assurer la gestion efficace des troupeaux. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Abdallah qui va vous parler de la reproduction. Maintenant, parlons de la reproduction. La reproduction tient une place importante dans l'élevage. Elle participe fortement à la rentabilité de l'élevage. Mais à Madagascar, elle connaît d'importantes variations. Dans la majorité des fermes, la reproduction est conduite par la monte naturelle. Donc, la synthèse présente se propose de présenter ces variations, les facteurs qui influencent ces variations et les suggestions pouvant être mises en œuvre pour améliorer les performances de la reproduction. Nous allons parler de la performance moyenne de reproduction, des périodes de vélage, des paramètres de fécondité étudiés qui sont l'intervalle vélage-vélage et l'âge moyen au premier vélage. Ensuite, l'influence du climat sur la reproduction et enfin les recommandations pour pouvoir améliorer ces résultats. Parlons maintenant des performances de la reproduction. Ce tableau nous montre les performances de la reproduction, moyenne de la reproduction. Il est important de constater que, quelle que soit la race, le pourcentage de premier par est de 58%. Le pourcentage, ce qui représente plus de la moitié des femelles étudiées lors du projet. Le pourcentage de vélage difficile était de 5%. Par contre, le taux d'avortement, le taux de prolificité, le taux de femelles à la naissance sont respectivement de 0,1, 1 et 48%. Maintenant, parlons des périodes de vélage qui représentent
les veillages qui représentent les veillages moyennes au cours de l'année durant le projet. Il est important de constater que les pics de veillage sont obtenus entre le mois de décembre et mars, c'est-à-dire durant la saison de pluie, ce qui permet d'avoir des ressources fourragères plus importantes pour nourrir les animaux. Mais en faisant la corrélation entre les périodes de veillage et la croissance des veaux, nous avons obtenu que les veaux qui sont nés entre le mois de décembre et décembre, leur croissance est plus élevée par rapport aux autres veaux qui sont nés dans les autres périodes. Donc, il est fortement de planifier ces veillages en fonction de la croissance des veaux obtenus. Pour les paramètres de fécondité étudiés, nous avons étudié deux paramètres qui sont l'intervalle veillage-veillage et l'âge moyen au premier veillage. Ici, nous avons l'âge moyen au premier veillage est compris entre 1200 et 1400 jours, c'est-à-dire environ 42 mois. Mais cet âge a varié entre 800 et 1800 jours. Pour l'intervalle veillage, comme son nom l'indique, c'est l'intervalle entre deux veillages successifs d'une même vache. Il a été calculé sur 96 observations et on a obtenu 590 jours pour l'intervalle veillage. L'importance de calculer l'âge au premier veillage est de déterminer la période improductive des génisses pour pouvoir améliorer la rentabilité de l'élevage. Et pour l'intervalle veillage, c'est un indicateur important de la fertilité au niveau de la ferme. Passons maintenant à l'influence du climat. Cette figure nous montre les variations annuelles des veillages en fonction du climat, c'est-à-dire précipitation et la température. Et nous avons constaté que les pics de veillage sont obtenus durant les mois de décembre et de mars, c'est-à-dire durant les mois où les précipitations sont très importantes, ce qui permet d'avoir des ressources plus importantes de bonne qualité pour nourrir les vaches qu'on veillait. Et cette figure nous montre aussi les variations des périodes de saillie fécondantes en fonction du climat, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, précipitation et température. Et nous remarquons que les pics de saillie fécondante sont obtenus au mois d'avril et au mois de juillet, c'est-à-dire juste après la saison de pluie. Pour améliorer ces performances, nous avons des recommandations pour pouvoir les améliorer. Planifier les veillages durant la période septembre-décembre pour obtenir une meilleure croissance des veaux. Planifier les veillages quelques semaines avant la saison de pluie pour offrir aux animaux des fourrages de bonne qualité. Former les éleveurs sur la conservation des fourrages pour limiter les impacts de la saison sèche. Mettre en place des stratégies avec les éleveurs sur la planification de la reproduction de leurs animaux. Et enfin, former les éleveurs sur la sélection des génisses de renouvellement qui représentent l'avenir des troupeaux. Maintenant, nous allons parler de l'exploitation, pas de la santé, mais de l'exploitation ou de la vente des animaux. Donc, quel que soit le mode d'exploitation des bovins à Madagascar, que ce soit contemplatif, associé à l'agriculture, thésaurisation, embauche, il aboutit à l'exploitation de la viande. À Madagascar, l'élevage de bovins est prioritairement utilisé en compte qu'épargne. Cependant, à part d'être un épargne considérable, les bovins peuvent être vendus à tout moment de l'année pour faire face aux imprévus économiques, par exemple pour faire face aux maladies, mais également aux crises financières que nous vivons ici à Madagascar dans cette période de pandémie. Il est également fortement lors des coutumes malgaches telles que le famadien. Le famadien, c'est une coutume malgache qui est effectuée ici à Madagascar, ou exhumation. Donc, que dit l'ASER sur les exploitations, ces exploitations? Donc, ce graphique nous montre le taux d'exploitation du bovin selon l'âge et le sexe. Ainsi, nous pouvons constater que les exploitants préfèrent garder les femelles que les mâles, parce que les femelles génèrent de génération en génération, donc les exploitants préfèrent les femelles. Ensuite, nous pouvons constater également qu'il y a une forte exploitation observée entre 1 et 3 ans chez les deux sexes.
Ici, toujours ici à Madagascar, les petits éleveurs font de l'effort pour garder un nombre stable de leurs troupeaux, mais pour pouvoir également gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins, surtout les besoins alimentaires. Si nous étalons ces exploitations durant toute une année, c'est-à-dire le taux d'exploitation durant toute une année, le taux d'exploitation par mois, nous avons le résultat suivant. Donc, nous avons deux pics d'exploitation. Une pic d'exploitation le mois de janvier-février et une autre pic d'exploitation le mois de juillet-août. Donc, pour le premier pic d'exploitation, cela est probablement causé par les fêtes de Nouvel An, c'est-à-dire durant les fêtes de Nouvel An, il y a une forte dépense des éleveurs. Ici, à Madagascar, il y a la forte dépense causée par les consommations de bovins, mais également par la vente de ces bovins pour assurer les fêtes de Nouvel An. À part cela, il y a ce pic d'exploitation est causé également par l'installation des champs en agriculture parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le bovin est également utilisé en agriculture, mais également en attente de la récolte. Les gens fondent les bovins pour pouvoir assurer la consommation journalière. Parlons maintenant du deuxième pic. Le deuxième pic est principalement causé par les famadiales ou exhumations. Et donc, il y a une forte consommation de bovins, d'exploitation de bovins durant ces famadiales. Mais parlons maintenant de la recommandation. Ici, à Madagascar, le bovin connaît une variation considérable de poids durant toute l'année. Quelquefois, il est gros, quelquefois, il est petit. Mais l'idée, c'est de pouvoir vendre les bovins lorsqu'il a une bonne en mode, c'est-à-dire lorsqu'il est gros. Donc, pour cela, nous avons couplé cette courbe de l'exploitation avec la précipitation ici à Madagascar. Et puis, la précipitation est corrélée fortement avec la production fourragère. Donc, durant les mois de janvier à avril, nous avons une forte production fourragère. Et si on met la courbe des besoins des animaux dans cette forte production fourragère, on peut constater que durant ces mois, la production fourragère est supérieure aux besoins des animaux. Cependant, durant les saisons sèches, la production fourragère est inférieure aux besoins des animaux. Donc, cela cause la variation de poids de ces bovins ici à Madagascar. Donc, durant les saisons humides, nous avons notre état corporel élevé pour le bovin, donc on peut les vendre à bon prix. Donc, dans cette étude, il faut favoriser la reconstitution des réserves de l'animal pendant les saisons octobre en avril. Donc, pour le premier pic d'exploitation, c'est OK, on peut bien fondre à bon prix les bovins durant ces périodes. Cependant, pour le deuxième pic d'exploitation, c'est-à-dire durant les famadiennes, on ne peut pas avoir des bons prix parce que durant ces périodes-là, les bovins sont vraiment maigres. Donc, il est judicieux de vendre les animaux afin qu'ils ne perdent de poids durant la saison sèche, c'est-à-dire avant le mois d'avril. Donc, il est également judicieux de pratiquer la pratique du dabkang. C'est quoi le dabkang? C'est une technique traditionnelle d'engraissement ici à Madagascar. Donc, pour cela, les gens achètent des bovins adultes maigres en fin de saison sèche. Puis, ils le gardent au pâturage de bonne qualité pendant une ou deux périodes de pluie. Puis, ils le revendent pour avoir plus d'argent. Ainsi, s'achève mon intervention sur l'exploitation. Et maintenant, je vais parler la parole à Erline pour vous parler de la santé des bovins ici à Madagascar. Nous avons effectué 3 recherches scientifiques concernant la santé des bovins à Madagascar dans la station de recherche Kenzasu pour la réalisation du projet Eclipse. D'abord, y compris la parasitose interne des jeunes bovins âgés de 4 à 24 mois. Ensuite, la tuberculose bovine et enfin l'épidémiologie des autres pathologies dominantes diagnostiquées dans la station. Comme situation actuelle, plusieurs facteurs favorisent la persistance de certaines maladies à Madagascar, à savoir, selon l'Organisation internationale des épices aussi, Madagascar participe aux échanges et commerces internationaux des produits animaux et des animaux vivants sur pied. Madagascar aussi possède des climats favorables au développement des agents pathogènes de plusieurs maladies des bovins. Or, la gestion sanitaire des bovins ici est mal appliquée. Grâce à tous ces facteurs, les bovins sont donc vulnérables à des problèmes sanitaires affectant leur performance en production, que ce soit viande ou lait.
Certaines de ces maladies ont été trouvées dans la station de recherche Kiangasu et ses environs durant l'étude appliquée pour la réalisation du projet Eclipse. Concernant les parasites gastro-intestinaux des veaux de 4 à 24 mois, 17 genres de parasites ont été identifiés et la prévalence atteint de 84,76%, c'est-à-dire que 1018 prélèvements ont été positifs parmi les 1201 diagnostiqués. Ces parasites ont des effets négatifs sur la croissance des animaux, comme ces graphes nous montrent que la corrélation de l'obtention des grains de pois et les parasites observés dans un intervalle de temps respectif sont corrélés. Plus la valeur de l'œuf de parasite augmente, plus le gain de pois diminue, mais à faible estimation, avec une corrélation négative de moins 0,34. 34 fois parmi les 335 suivis ont été décédés durant l'étude. Et ce tableau montre que 58,88% parmi eux sont des veaux moins d'un an. Et ils sont considérés victimes de la parasitose interne, car les valeurs des œufs de parasites détectés au moment de leur décès ont été significativement élevées. Comme recommandation alors, il faut faire des traitements systématiques et réguliers des animaux de troupeau en ciblant les parasites de tel âge, surtout le veau moins d'un an. Il faut faire aussi des traitements biologiques comme gestion des pâturages et gestion des troupeaux par séparation des classes d'âge. Ainsi, la culture des fourrages considérés comme des aliments médicaments ou antiparasitaires internes, genre des légumineuses à goût amer. Il faut faire aussi des améliorations des conduites des troupeaux en général, que ce soit sur technique ou sanitaire. Concernant maintenant les épidémiologies de cette pathologie diagnostiquée, 10 types de problèmes sanitaires et maladies ont été détectés et enregistrés dans l'étude sur le logiciel laser, qui sont les babésioses jusqu'à 1,9%, la tuberculose allant jusqu'à 39% et les accidents physiques comme coups de corne à 12%. Tout cela favorise nettement la diminution de ces troupeaux, que ce soit performance ou augmentation en nombre, car durant l'étude, 105 bovins ont été recensés morts par confirmation des maladies diagnostiquées. Selon l'âge et le sexe, les femelles ont été les plus victimes de ces maladies, y compris la tuberculose, allant jusqu'à 45,8%. Ensuite, les diarrhées et les insuffisances alimentaires sont trouvées plutôt chez le moins d'un an. Comme recommandation, le sexe, la saison et l'âge de l'animal conditionnent l'apparition d'une telle maladie à Madagascar et la connaissance de l'épidémiologie de ces pathologies dominantes peut être exploitée pour la prévention, les soins et les éradications de certaines maladies affectant les cheptels vivants et pour maintenir le nombre de bovins dans cette localité. Cette étude nous a montré que la prévalence de la tuberculose dans cette localité augmente à 9% dans ces 15 dernières années. Alors, une installation de troupeaux indemnes et la production de tests de tuberculine recommandés pour le sauvetage de notre troupeau. Et pour les techniciens responsables, il faut faire appliquer régulièrement la biosécurité d'élevage, à savoir la mise en place des désinfectants des locaux de troupeaux. Pour conclure, tous nos résultats de recherche sur la santé conduisent pour une bonne gestion future des conduites sanitaires et zootechniques des troupeaux dans l'élevage dans la station de recherche Kiangasu. Et ces études apportent une amélioration et sauvetage pour la pérennité des troupeaux, surtout la race Rentel dans la station. Sur ce, je termine mon intervention et je laisse la parole à mon collègue Aroudine pour parler du mouvement des troupeaux. Maintenant, nous allons parler des sorties des bovins dans le logiciel laser qui reflète la diminution du cheptel bovine à Madagascar. La baisse progressive de la population du cheptel bovine est constatée à vue d'œil. Depuis quelques années, les grands troupeaux transportés à pied sur la RN1 en provenance de la région du Bonglave vers la capitale sont devenus de moins en moins fréquents. Les grands troupeaux en pâturage rencontrés fréquemment dans les principales zones d'élevage comme Yurumbe, Melak ou Bonglave n'existent presque plus. Selon les chiffres du ministère, la capitale consomme plus de 430 têtes par jour, soit environ
sont 50 000 par an. Pourtant, il est estimé à environ 70 000 naissances chaque année, ce qui fait donc un cap de plus de 70 têtes pour le cas d'Antananarivo. L'insuffisance de l'offre sur le marché local engendre la flambée du prix de la viande de bovin. Le phénomène d'AAL contribue énormément à décourager les éleveurs. Au total, 704 têtes de bovins ont été introduites dans la base de données laser pendant cette étude au sein de la station Fofifa Kianzasu et ses alentours, en comptant les entrées et les sorties. En moyenne, 350 têtes ont été enquêtées tous les mois durant ce suivi. D'après les traitements effectués, 84,66% des animaux ont fait des mouvements durant les 5 années de suivi. Les résultats ont mis en évidence que la principale source de la diminution du cheptel est la vente, avec un pourcentage de 42% qui ont été déjà présentés dans la partie exploitation. Ensuite, 33% sont des départs en confiage, c'est-à-dire les animaux ne sont pas gardés dans une exploitation, mais repartis dans divers éleveurs, même membres de la famille. Cette pratique est effectuée pour ne pas garder un nombre élevé de bovins au niveau d'une exploitation, car cela attire les éleveurs de bovins. Ensuite, le taux de mortalité de 20%. 3% des sorties sont représentées par des vols de bétail. Cependant, ces résultats ne reflètent pas vraiment les vols de zébus à Madagascar, car le fait que nous avons identifié les animaux à l'aide des puces électroniques a réduit considérablement les vols, car les voleurs ont peur qu'on puisse localiser les bovins à partir de ces puces. Et enfin, de l'abattage de 2%. Maintenant, nous allons développer quelques détails sur la mortalité. Ces résultats représentent seulement les résultats au niveau des éleveurs, mais ne prennent pas compte des animaux de la station. Le taux de mortalité selon l'âge et le sexe. Pour les femelles âgées de 0 à 6 ans, la probabilité moyenne de mortalité par an a été très faible, voire même négligeable. Par contre, les femelles âgées de 7 ans, le risque de mortalité a augmenté de 12%. Pour les femelles de 8 ans et plus, cette probabilité moyenne reste très faible. Concernant le taux de mortalité selon la saison, depuis le suivi, la région de Bunglav, il y avait deux saisons distinctes, c'est-à-dire saison de pluie et saison sèche. La probabilité de mortalité est un peu faible durant la saison de pluie par rapport à la saison sèche. Ceci peut être dû au manque de pâturage durant la saison sèche et les cheptels sont devenus sensibles aux maladies ou aux parasites à cause de l'insuffisance alimentaire. Comme recommandation, il est nécessaire d'améliorer l'état sanitaire des animaux par des traitements systématiques des animaux et par l'installation des protocoles de biosécurité adéquats. Améliorer les techniques d'élevage extensif qui a très peu évolué depuis la nuit des temps. Il faut également améliorer les circuits de commercialisation des bétails à Madagascar. Premièrement, de l'éleveur au grossiste, il faut uniformiser les paperasses des ventes. Ensuite, du grossiste au détaillant, il faut uniformiser les prix des ventes et du détaillant au consommateur. Des normes doivent être instaurées au niveau des produits vendus. Un système de traçabilité des produits doit être effectué. Et enfin, renforcer la politique sécuritaire des bovins à Madagascar. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Lucie pour parler de la projection. Merci de m'avoir donné la parole. Maintenant, nous allons voir la dynamique de cheptel et la résilience du troupeau malagasy. Mais avant de voir nos résultats de recherche, on va faire un aperçu global sur la situation actuelle concernant le troupeau malagasy. Lors du dernier recensement agricole à Madagascar, au niveau national,
48,7% des exploitations possèdent au moins une tête de bovité, avec en moyenne 8,1 têtes par exploitation. Et globalement, le cheptel bovin est constitué par plus de femelles que de mâles. Et à Madagascar aussi, il existe un décret interdisant l'abattage des vaches et des jeunes. Mais depuis quelques mois, le prix de la viande bovine a connu une hausse incessante en raison de la faiblesse de l'offre par rapport à la demande. L'exportation y est pour quelque chose, puisque certains fournisseurs préfèrent négocier directement avec les exportateurs. Et la vente légale de zébu est ainsi assez rare, alors que la demande est en hausse. Toutes ces situations entraînent davantage l'insécurité dans le milieu rural où l'élevage des bœufs fait partie des principales activités. Après avoir vu la situation actuelle sur les cheptels bovins à Madagascar, entamons tout de suite aux résultats concernant la dynamique du troupeau. La taille moyenne de troupeau a été de 8,5 têtes de bovins par exploitation. En ce qui concerne la structure du troupeau, les femelles sont nettement dominantes de l'ordre de 67%. Ces données montrent l'orientation productive de ces troupeaux en tant que nisseurs. On note un pourcentage élevé de chênes de 0 à 1 an. Cela reflète leur taux de mortalité faible. Les jeunes mâles âgés de 2 à 4 ans sont presque vendus. Seuls les reproducteurs et ceux conçus pour le travail sont conservés. Par contre, la plupart des bovins achetés sont des mâles âgés de 4 à 6 ans, car ils sont destinés pour le travail agricole. Et âgés de plus de 7 ans, la proportion des mâles baisse. Et pour les femelles, on note un pourcentage élevé de génisses destinées au renouvellement de reproductrices. La refonte de femelles se fait aussi relativement tard, vers 13 ans. En tenant compte tous ces paramètres démographiques, le résultat de l'évolution de la structure des bovins à long terme, c'est-à-dire dans 20 ans, par la modélisation démographique d'INMOD, est de 45% de femelles contre 55% de mâles. Ce changement de structure est influencé par le faible taux de femelles à la naissance. En ce qui concerne l'effectif, d'après nos résultats, c'est-à-dire durant notre étude, le taux de croix est de 8%. Par contre, à long terme, pour l'ensemble du troupeau, ce taux passe de 0,6 à 0,2% avec une réforme finale des femelles à 13 ans. Si au début de notre étude, le nombre du cheptel étudié était de 250 têtes, dans 20 ans, ce nombre serait tout simplement de 350 têtes. Le faible taux de croissance a été donc dû au faible taux de femelles à la naissance et aussi au fort taux d'exploitation de 40% dû aux besoins de l'éleveur et à la recrudescence des vols de bœufs dans la région d'étude. Pour les performances d'élevage de troupeaux bovins dans la zone d'étude, deux tendances se dégagent. D'une part, le troupeau présente des meilleures performances écologiques et climatiques, de la performance d'adaptation aux conditions agroécologiques et climatiques de la région, avec des bons taux de reproduction et des faibles taux de mortalité, surtout pour les jeunes. D'autre part, les performances des troupeaux d'élevage sont faibles, généralement la conséquence d'une exploitation massive, dans la plupart des cas, influencée surtout par les vols de bœufs. Ces diverses situations ont un impact négatif sur les performances de l'élevage et les bétails n'arrivent pas à exprimer de façon optimale leur potentiel d'adaptation. Si aucune mesure spécifique n'est prise, le cheptel continuera de subir une forte pression et le prix continuera d'augmenter. Que faut-il faire? Il faut réorienter et approfondir la recherche sur la physiologie de la reproduction pour avoir plus de femelles à la naissance que des mâles. Ensuite, le gouvernement doit régler le problème d'insécurité et prendre des décisions pour atténuer les vols des bœufs
qui sont les plus grandes causes de la lenteur de la croissance du cheptel bovin à Madagascar. En guise de conclusion générale, le protocole laser permet d'établir un référentiel technique sur l'élevage de bovins à Madagascar. Cela permet également d'avoir les liens entre les différents paramètres tels que la reproduction, l'alimentation, la santé et la conduite d'élevage. Du point de vue démographique et zootechnique, les troupeaux sont jeunes avec une meilleure adaptation aux conditions agroécologiques et climatiques de la région, mais présentent un taux de croix à long terme médiocre, influencé par le faible taux de croix de femelles à long terme et les vols. Quelques recommandations ont été proposées, à savoir l'abattage des mâles pour la production de viande à l'âge de 6 ans, car à partir de cet âge, le poids de l'animal reste constant. Ensuite, séparer les troupeaux de mâles et femelles et ne le mettre ensemble que durant les périodes favorables à la reproduction pour avoir de meilleures performances zootechniques, c'est-à-dire de décembre en février. Puis, vulgariser les bonnes pratiques de vente d'animaux telles que la méthode de Tapkind et améliorer l'état sanitaire des animaux par des traitements systématiques et par l'installation des protocoles de biosécurité adéquats, et formaliser les circuits de commercialisation et installer un système de traçabilité de produits. Et enfin, améliorer la gestion de l'élevage. Pour terminer, il a été constaté que les facteurs comme l'alimentation et la race bovine ont une influence considérable sur les performances techniques des animaux dans les suivis. Ainsi, des perspectives d'études génétiques de l'état actuel de ces animaux suivis par rapport aux races pures, l'Intel Frison, ces pumas malagas sont envisagées. Il est également envisagé d'investir sur l'étude de l'alimentation de ces animaux, notamment sur l'utilisation du SPIR pour estimer la qualité de l'alimentation et la quantité consommée par chaque bovin pour déterminer les performances en fonction de l'alimentation. Et aussi, des études sur la production des tests de tuberculination sur le diagnostic et suivi des états sanitaires de chaque individu sont à envisager. Et durant nos études, 11 publications scientifiques pour la valorisation des résultats ont été effectuées, à savoir des articles scientifiques, des rapports de stages de mémoire, 5 posters et 4 vidéos. C'est ainsi que notre intervention touche à sa fin. Merci pour votre attention et nous sommes disponibles aux discussions et aux éventuelles questions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je voulais remercier les intervenants pour la qualité de leur intervention à plusieurs voix qui était vraiment très intéressante et très complète. C'était très clair et de manière générale, nous les remercions pour la qualité de leur travail dans le cadre du projet Eclipse. Alors, j'avais une question. Vous avez parlé à un moment de pâturage médicaments pour aider à lutter contre les parasites des bovins. Donc, je voulais savoir si vous aviez identifié des espèces qui avaient un intérêt pour lutter contre les parasites. Quelles étaient-elles et si, du coup, il y avait eu un transfert ou déjà une utilisation généralisée par les éleveurs de ces espèces médicaments. Évidemment, il y a certaines espèces fourragères qui ont déjà été identifiées et qui ont été identifiées par notre équipe, mais il y a une autre équipe du FOVIFAP qui est également dans le projet Eclipse qui travaille avec la VSF. Et eux, ils vont présenter les résultats ce vendredi, je crois, ce vendredi, oui. Et je pense qu'on va parler beaucoup de cela ce vendredi, des espèces qui sont utilisées comme antiparasitaires, comme médicaments en général. Et je pense que je vais laisser la parole pour ne pas répondre à cela parce que
il y a d'autres gens qui travaillent vraiment là-dedans, des gens de la VSF et de FOVIFA, et je pense qu'ils ont vraiment les réponses bien précises sur cela. Pour ma part, j'avais un point que j'avais noté précédemment et sur lequel je pense que nos auditeurs aimeraient avoir une de plus amples explications. Vous avez fait mention notamment de la part de l'export dans la viande bovine qui est produite à Madagascar, qu'avec un décalage entre l'offre qui se réduit et la consommation qui, elle, se maintient, voire augmente. Et vous avez mentionné le fait que l'exportation joue un rôle dans cette question. Est-ce que vous pourriez rentrer plus en détail sur les raisons de ce décalage entre offre et demande de viande bovine et surtout dans quelle mesure les débouchés à l'exportation sont aujourd'hui plus intéressants pour les éleveurs, si j'ai bien compris le point que vous évoquiez. Oui, effectivement, il y a cette partie. En fait, je vais revenir faire une petite historique de l'histoire de l'exportation de viande ici à Madagascar. Auparavant, on exportait de la viande de en Europe et comme ça. Mais à partir de 1997, il y avait eu un embargo de la viande exportée de Madagascar, ceci à cause des aspects sanitaires et de la traçabilité des produits carnés. Donc, à partir de 1997, on n'exportait plus de la viande de l'étranger, mais cet embargo a été levé de vers les années 2000, mais je n'ai pas la date précise. Donc, mais à partir de cette année, on a exporté des viandes sur pied, mais pas de la viande, mais des bovins sur pied. Et il y avait un quota ici à Madagascar vers les 1998, quelque chose comme ça. On avait un quota de 97 bovins par jour pour l'exportation. Cependant, lors du gouvernement actuel, lorsque le président actuel a été élu, on n'a plus exporté. Donc, actuellement, on n'exporte plus de la viande vers l'étranger. Cependant, il y a quelques industries qui viennent d'être créées ici à Madagascar. Par exemple, nous avons le Bovima, bonne viande de Madagascar, qui veulent exporter de la viande de l'Europe, mais pas actuellement. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, on va pouvoir réexporter de la viande pour l'Europe et cela. Et cependant, cette exportation de la viande diminue la production actuellement, diminue la vente de viande sur le marché parce qu'il y a beaucoup d'exportations. Plus le prix à l'exportation, c'est plus meilleur que le prix sur le marché en temps d'arrivée. Et les gens ont tendance à les vendre, les bovins, vers les grosses industries d'exportation que vers les marchés en temps d'arrivée. Donc, dans nos résultats, on a essayé de déterminer si on veut l'exporter pour pouvoir garder le nombre de cheptels actuel. Donc, il faut déterminer le nombre de bovins exportés. Il faut limiter l'exportation à une telle tête pour pouvoir garder la quantité à consommer par les Malgaches, parce que c'est effectivement un problème pour nous les Malgaches si jamais on a plus d'exportation alors que nous ne consommons pas de la viande. Donc il faut bien définir la quantité exportée et la quantité pour l'alimentation d'ici à Madagascar pour ne pas affecter la croissance du cheptel, parce que si on ne prend pas des décisions, on ne va plus avoir de bovins d'ici 10 ou 20 ans, avec la faible croissance que nous avons vue là dans le projet. Aujourd'hui, pour un éleveur à Madagascar, la majorité de son revenu se fait sur de la vente de viande sur Madagascar même, ou par l'exportation. Quel est si vous avez une idée sur ces questions, quelle part représente cet export dans le revenu d'un éleveur? Pour le moment, c'est pas vraiment l'éleveur qui exporte, parce que comme nous avons expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs intermédiaires. Premièrement, il y a les grossistes. Il y a les grossistes qui achètent les bovins aux éleveurs et généralement, ils les achètent à bas prix. Ce sont des grossistes qui les achètent à bas prix et eux, ils le vendent sur le marché. Soit ils le vendent à d'autres industries pour l'exportation, soit ils le revendent directement sur le marché. Donc, c'est les bénéficiaires, ce sont plutôt les grossistes
qui prennent ces bovins. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres. On n'a pas vraiment de chiffres parce que les crochets, ils les achètent à pas prix aux éleveurs. Et c'est eux qui définissent les prix de vente. Donc, actuellement, on n'a pas vraiment de chiffres bien définis sur ces aspects-là. Très bien, merci beaucoup. Il semblerait que pour l'instant, nous n'ayons pas plus de questions. Donc, en même temps, c'est un travail particulièrement complet. Merci pour aujourd'hui. Premièrement, merci pour l'organisation du webinaire d'aujourd'hui parce que nous avons pu exposer nos résultats, vraiment tous les résultats sur le projet Eclipse. Comme il avait dit dans la partie conclusion, on avait déjà publié certains résultats. On a publié les résultats, par exemple, dans des forums sur l'élevage. On a publié dans des colloques, on a fait des posters, on a fait des articles scientifiques, mais généralement, ce sont des parties de l'étude. Mais aujourd'hui, on avait vraiment présenté l'étude en général. Donc, merci pour aujourd'hui. Merci également pour le projet Eclipse parce que on avait vraiment bénéficié de beaucoup de choses dans ce projet Eclipse. Premièrement, on a bénéficié de plusieurs formations. On a bénéficié de la formation sur l'utilisation du logiciel laser qui a été effectuée par Xavier Jeunesse du CIRAD. On avait également bénéficié des traitements statistiques, d'analyse de traitements statistiques par le logiciel R qui a été effectué par Emmanuel Thiard du CIRAD également. Et à part cela, il y avait également quelques formations sur les pratiques d'analyse coproscopique qui avaient été effectuées par Julia Viadou et Jérôme Janel, toujours du CIRAD. Donc, effectivement, c'est beaucoup de choses. On avait reçu beaucoup de formations dans ce projet qui nous a beaucoup aidé à avancer dans le traitement de nos données, mais également dans la collecte de ces données. Par cela, également, merci pour Eclipse en général, pour l'organisation du projet qui nous a fait beaucoup avancer, surtout sur l'élevage à Madagascar. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a beaucoup de l'élevage est vraiment dans la vie des Malgaches parce que nous, par exemple, le bovin, il est tellement dans le quotidien, il est utilisé dans l'agriculture, il est utilisé pour l'alimentation et il est utilisé également pour l'épargne ici à Madagascar, une épargne qui est décapitalisable en tout moment. Donc, si on a besoin d'argent, on fond les bovins. Et là-dedans, dans le projet Eclipse, nous avons pu vraiment voir avec des chiffres détaillés, c'est comment vraiment l'élevage ici à Madagascar. Parce qu'ici à Madagascar, on n'a pas vraiment les chiffres sur l'élevage, on n'a pas vraiment les chiffres. Le dernier statistique à Madagascar sur la quantification des bovins était en 2005, je crois. Donc, de 2005 jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de chiffres, mais à partir de nos résultats de projet Laser et Eclipse, on peut déjà estimer avoir une idée sur où on est le cheptel actuellement et comment va être le cheptel d'ici quelques années. Donc, merci pour tout cela. Dans le projet actuellement, nous sommes en train de finaliser notre rapport final parce qu'il y a un rapport final qui est surtout le projet et ça va être prochainement publié. On va prochainement envoyer ce rapport final qui est plus détaillé avec plus de résultats. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également lire ce rapport final, mais on va vous envoyer également nos adresses mail. Si jamais vous n'avez pas de questions aujourd'hui, mais si vous aurez des questions pour la prochaine fois, vous pouvez toujours nous envoyer des mails, puis on va essayer de répondre à vos questions. Donc, merci Jean-Marc pour aujourd'hui. Ben, merci Thierry, merci à toi et à tout le Profifa. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Vos résultats sont la preuve de votre investissement dans ce projet et de la réussite de ce projet. Je tenais à vous remercier encore une fois de ce travail que vous avez produit. Nous, on fera de notre mieux pour que ces résultats que vous avez produits, que vous nous avez présentés aujourd'hui, et les documents comme les posters que vous avez produits, par exemple, soient mis en avant parce que nous sommes vraiment heureux de ce que vous avez produit jusque-là. Et nous espérons sincèrement que ces résultats qui sont particulièrement probants
trouveront l'écho qu'ils méritent, tout à fait. Et je remercie encore une fois Thierry et toute son équipe du FOFIFA pour cette superbe présentation. Merci beaucoup et excellente journée à tous.